J'ai un petit cadeau pour toi. Ah bon? Ouais. Fallait pas, tu sais. Oh, ben, ça me fait plaisir. C'est un livre en braille. Ah. Merci. Comme je sais que... Bah... C'est quoi le titre? Hein? Braille. Un aveugle et un voyant sont assis à la terrasse d'un café. Bah c'est écrit dessus, c'est le petit prince. Bah oui, mais je lis pas le braille, moi. Quoi, tu lis pas le braille? C'est pas la langue des aveugles, le braille? Oh non, en France, la langue des aveugles, c'est le français. Le braille, c'est juste pour lire. Oh, mais comment tu fais, du coup, pour les livres? Pour tout ça, quoi, du coup tu... Bah, il y a les livres audio. Tu connais pas les livres audio? Ouais, les livres audio, ouais. Ouais, je connais les livres audio, ça va, quoi. C'est pas... Ouais. Mais c'est pas pareil. La lecture, ça développe l'imaginaire, tu vois. La voix d'un mec, c'est pas pareil. Je suis désolé, quoi. C'est hyper important que t'apprennes à lire, mon gars. En plus, c'est hyper facile, même moi, j'y arrive, regarde. Le Petit Prince. Jérôme Adam et Guillaume Buffet vous ont présenté « J'en crois pas mes yeux » avec Aziz Zoghaghi l'aveugle, Cyril de Lastéry le voyant. Tu sais, en France, il y a que 10 000 aveugles qui lisent le braille. 10 000 ? Bah, 10 000, c'est énorme. Tu vois. Non, mais 10 000 sur 100 000 aveugles. Ah oui. Ouais. Et ben, c'est pas une raison. Hein. Tu vas me faire le plaisir d'apprendre et fis ça, quoi. Le prix que ça coûte, c'est ça le prix de bouquin. Il n'y a pas de sens interdit. www.jencroispasmesyeux.com Audiovision Valentin Ahuy.